Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'ai mon chien, pour une journée vlog. Je vous emmène avec moi aujourd'hui puisque c'est vendredi. Déjà, c'est un jour que j'adore et en plus, c'est un vendredi de pleine lune. Et aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. J'ai envie de faire pas mal de petites tambouillettes, de vraiment me faire une journée spéciale. Donc, je vous emmène avec moi dans mes petites activités. J'ai prévu un petit peu de tambouille puisque hier j'ai fait de la cueillette. Et donc on va parler de ça. C'est la pleine lune aujourd'hui en scorpion, donc c'est très intense, hein. Très très intense. Donc là c'est, je suis partie en balade ce matin, il est assez tôt encore. Ça c'est vraiment ma journée type idéale, c'est quand mon loulou et mon petit chéri ils partent travailler. Je vais balader avec mon chien le matin, comme ça après je rentre et je suis déjà hyper bien pour faire mes petites activités. Donc voilà. On va se faire ça aujourd'hui. J'ai prévu vraiment de me passer une super journée pour moi. Donc couture, j'ai envie de faire du point de croix aussi. Et en plus de recevoir une ou deux commandes, puisque j'ai fait des petites emplettes, je vous montrerai. Et voilà, on profite de ces paysages en ce moment. C'est juste incroyable la nature que je découvre. C'est magnifique. Allez, on se dit à plus! Je voulais vous montrer du coup ma première robe cousue main. Je l'ai terminée la semaine dernière. C'est la robe Nina de Atelier Bernie. Alors, franchement, c'était un peu galère parce que c'était ma première robe. J'ai choisi en plus les trois jupons et il y a beaucoup de défauts. Alors, le haut, ça passe, mais j'ai eu pas mal de déboires sur le. Je rigole. Sur l'encolure. Après, ça passe, j'ai réussi à me débrouiller, j'ai fait l'élastiqué. C'est un petit peu trop grand, je trouve. C'est pas hyper flatteur finalement, mais c'est dû, je pense, à mon tissu qui était un vieux drap de ma grand-mère. Après, je suis très heureuse de l'avoir utilisé, hein, aujourd'hui, franchement. Après, c'est vrai que la couleur aussi, ça m'a étonnée. Je pensais que ça m'irait, mais ça me va pas trop, bizarrement. C'est un petit peu trop froid, moi qui suis printemps. Voilà, en colorimétrie. J'ai surtout un gros souci sur le jupon en bas là. Donc, j'ose même pas vous montrer l'étendue des dégâts. Je ne sais pas encore si je vais la porter pour aller chercher mon fils. Franchement. En fait, quand je l'ai cousue, j'ai eu trop trop peur de montrer à mon chéri pour savoir ce qu'il allait dire. C'était le test ultime. Alors, j'ai fait semblant devant le miroir de genre j'étais en train de faire des retouches, en fait c'était fini. Et il m'a dit, il était étonné, il m'a dit, oh! Et je dis, t'aimes bien? C'est moi qui l'ai faite. Et il m'a dit, c'est toujours le même genre de robe. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal, sachant que je n'ai aucune robe comme ça, j'ai jamais eu de robe comme ça. Mais ce qu'il voulait dire, je pense, dans son œil de d'homme, c'est que c'est très romantique, et c'est vrai que j'aime bien les robes romantiques. Là j'ai mon soutien-gorge, mais j'avais pensé à la mettre en comme ça, c'était beaucoup plus sexy avec les épaules. Je pense qu'au final je la porterai comme ça sans bretelles. Donc écoutez, c'est pas mal, je la vois dans un tissu un peu plus fluide. Si je dois la refaire un jour, je la ferai peut-être en version courte, hein. Mais j'aime. Après, quand on a des poitrines assez importantes comme moi, je pense que le frou-frou dedans et les plissés, ça fait trop ressortir la poitrine et c'est pas forcément le plus flatteur. Je pense que c'est plus idéal sur les petites poitrines. Mais écoutez, niveau robe, j'ai envie de me faire plusieurs robes pour cet été. Des robes un peu plus simples, peut-être. J'ai repéré pas mal de robes sur le compte de Maureen Couture, si vous connaissez. Je viens de la découvrir et j'aime bien. C'est très, voilà, c'est plus sexy, c'est pas mal. Donc pour cet été, je vais regarder ça. Et puis voilà, je vais me faire mon petit café maintenant. Et puis on va se retrouver dans mon petit atelier. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'aimerais faire en couture. C'est parti. On se retrouve dans un angle bizarre puisque je vais plus pouvoir tourner le matin à l'atelier. J'ai le soleil qui est trop trop fort, comme vous avez vu dans mon podcast. Et d'ailleurs, il va faire chaud cet été-là. Oh! Je vais me barricader cet été-là, il commence à faire très 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 chaud. Je vous avoue que ça m'angoisse un petit peu, déjà pour le monde, hein, parce qu'on sait très bien qu'on va vers des températures qui vont s'augmenter dans certaines régions. Et voilà, ça. Hier j'ai écouté une vidéo de Nitya Varnes, que j'aime beaucoup, astrologue, et elle disait que c'est vrai que là on est rentré, le Pluton est rentré, la planète Pluton est rentrée dans l'ère du Verseau, et du coup ça va changer beaucoup de choses, quoi. Ces 20 prochaines années concernant notamment le climat, on le sait, hein, il va y avoir beaucoup
de changement, il va falloir prendre le tournant, et ceux qui prendront pas le tournant, ben, ça va être compliqué. Et c'est vrai que moi, ça m'angoisse un peu, surtout qu'ici, on est dans une région, bon, c'est pas, on n'est pas en Afrique, hein, mais on est quand même beaucoup plus au sud que Nice, dans le Var, vraiment sur la pointe. On est au même niveau qu'en fait la Corse, hein, au niveau de Bastia, et c'est vrai que on est vraiment, d'ailleurs, dans les mêmes paysages que la Corse. Et on a vraiment le maquis, Corse, exactement pareil, les montagnes, la mer, qui est aussi belle, je suis désolée. Les châtaigniers, on a tout ça. Ça se ressemble beaucoup. Et c'est vrai que cet été, je crains un petit peu cet été. Heureusement, j'ai l'impression que la maison reste assez fraîche. Donc, je vais faire comme faisaient tous les Provençaux. Dans les maisons provençales, on fermait les volets, évidemment. Donc, voilà. Donc là, j'ai commencé déjà à fermer les volets dans l'atelier. Ah là 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 là. Bon, on va parler couture. Je vais faire ça ce matin. C'est un projet qui me tenait très très à cœur de faire. J'ai terminé donc ma roue de l'année, ma roue brodée. Je vais vous la montrer là. Bon, je vous la montrerai plus pendant le podcast. Je ne vais pas détailler. Mais ça y est, elle est terminée. Je vais la repasser d'ailleurs. Je ne vais pas repasser. Et en fait, je pensais que ce projet n'était pas finalement n'allait pas être si esthétique que ça. Finalement, je trouve que bah, c'est pas trop mal. C'est très naïf, c'est très. Avec beaucoup, j'ai mis beaucoup d'intention et j'ai fait Beltane là. Voilà. Et donc, mon objectif, comme je ne veux pas la laisser sur le tambour, je ne veux pas la mettre en décoration, je voulais. J'ai sorti mon grimoire des sabbats. J'ai un grimoire en fait où je note où j'ai sectionné en 8 sections pour les 8 célébrations de l'année. Et donc j'ai un petit peu dessiné, je presse un petit peu des fleurs, je note mes ressentis année après année, assez succinctivement, assez de manière succincte. Et donc en plus j'aime plus, c'est marrant, il y a quelques années j'adorais ces livres. C'est cahier, c'est de la marque, c'est connu, hein. Paper Blanks, et c'est marrant, j'aime plus du tout. Vraiment, j'ai quelques cahiers comme ça et je peux plus en fait ce style, c'est marrant. Donc, c'est l'occasion pour moi de faire une couverture avec cette roue de l'année. Alors, le souci, c'est que au début, je me disais que j'allais couper la roue et faire un appliqué sur du tissu. Et finalement, grâce au conseil de Julia de Rose Cocon, je vais tout simplement la coudre en fait et faire une couverture avec un autre tissu que j'ai choisi. J'étais partie sur un tissu fleuri qui me restait de ma blouse Frida. Finalement, j'ai ce tissu-là que j'ai chiné la dernière fois. Tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai trouvé vraiment des merveilles. La dernière fois à Nice, je suis tombée sur des tissus super beaux, dont celui-là, je le trouve très très beau. J'ai pas beaucoup de métrage par contre. Moi, j'ai quand même un drap, je crois, et j'ai cette housse de coussin. J'aime beaucoup des fleurs comme ça. J'adore cette couleur, j'adore. Et je me suis dit que c'était plus approprié et que ça allait mieux ressortir avec le blanc. Donc, écoutez, il me faut. Je vais utiliser un tutoriel sur Internet que j'ai trouvé, un des premiers que j'ai trouvé. Et on est pile dans la bonne taille. En plus, je crois qu'il faut, il faut, sur le tutoriel, il faut 4 cm de marge de couture. Donc, je crois qu'en fait, la housse fait pile la taille qu'il me faudrait. Donc, je me demande même s'il faut que je l'enfile dedans. Et j'ai juste à coudre et s'il faut, c'est OK, quoi. On va se débrouiller. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment le laisser sur mon bureau. Ça va être super joli. J'ai ce petit carnet aussi que j'ai acheté. J'adore à Sosthène Green. Je suis allée à Sosthène Green la dernière fois que je suis allée à Nice. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Et c'est vrai que je comprends pourquoi je vais plus dans ce genre de boutique parce que tu as envie de tout acheter. Et en plus, tu crois que ça te coûte rien. Au final, tu ressors pour 50 euros de petites conneries, disons-le. Mais bon, je voulais absolument un cahier, un nouveau carnet. J'en avais besoin pour faire un journal de tricot. Et finalement, je ne l'ai pas utilisé pour ça. J'ai commencé un journal de cueillette parce que je voulais vraiment inscrire ici, mois après mois, ce que je cueille, puisque je découvre la région. Et j'ai aussi tous les conseils de ma belle-mère, de ma belle-famille et les traditions qu'ils se sont construits dans ces terres que j'apprends. Et voilà. Et aussi nos traditions qu'on se crée au fil des années, les petites cueillettes qu'on fait, et mes nouvelles traditions.
Donc je marque les petites cueillettes, hein, c'est assez rapidement, les petites cueillettes, et je marque où je les cueille, parce que chaque année je souhaite aller au même endroit. Ça me dit beaucoup. Donc j'ai commencé mon petit journal, rien de fou, d'esthétique non plus. Voilà, c'est journal de cueillette et tradition, tout simplement, et des petits points. J'ai commencé par avril, et il faut que je le mette à jour d'ailleurs. Voilà. Donc j'aime beaucoup les petits carnets à fleurs, hein. Il est trop beau. Trop beau. Les petites fleurs bleues, parce que je suis à fond sur le bleu en ce moment, vous allez voir. Je suis dans ma période bleue. Et donc voilà, je vais coudre ça. Et puis après, je vous montrerai mes petits trésors. J'aime bien vous montrer mes petites chines. Allez, donnez-moi du courage. C'est parti, go! J'ai fait mon appliqué. Hein, Julia, tu vas crier. Écoute, je suis en train de me débrouiller. J'ai fait un point zigzag, pas hyper serré, mais écoutez, ça passe. Ça c'est un peu. Bon, écoutez, on bricole. Et je continue ma petite affaire. Couture, du coup, mon appliqué, je l'avais fait sur le mauvais côté de de la couverture. Du coup, heureusement, j'avais l'autre bout de la housse d'oreiller. Donc, on est bon. Vous verrez, du coup, j'ai découpé le tissu autour en fait. Je vais en faire une pochette pour le devant. Et puis écoutez, ce ne sera pas parfait, mais ça ira. Et en tout cas, j'aime beaucoup l'association du tissu avec la roue. Je trouve que c'est hyper joli. Et du coup, ça me donne envie de me replonger dans le grimoire et c'est le principal. Allez, je fais quelques coutures et on est bon. Bon, allez, j'arrête. De toute façon, il ne sera pas parfait. Il sera dans l'intention. Et voilà. Il y a plein de défauts sur les angles. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Je suis très heureuse de toute façon d'avoir cette broderie sur ce petit grimoire. Ça me fera vraiment un bon souvenir. Je vais pouvoir mettre des fiches si je veux. Et puis, voilà, j'ai cousu sur les côtés. Écoutez, ça fera l'affaire. La prochaine fois, quand je ferai une broderie, il faudrait que j'intègre. Enfin non, c'est sûr que quand on veut faire un grand. Enfin, c'est un appliqué forcément en fait. Mais c'est vrai que niveau couture, là, c'était un peu galère. Mais c'est pas grave. Je suis très contente quand même. On se retrouve après manger. Et ça, c'est la vraie vie, vous voyez. Il y a des fleurs de partout. Des plaies qui traînent. Bon bref, je viens de manger. On a mangé tranquille avec mon chien. Enfin, j'ai mangé tranquille. Et j'ai mis mon petit tablier. Ça, c'est un tablier qu'une amie m'avait fait. Je l'adore. Et comme ça, je vais faire ma power hour, j'appelle ça. C'est après manger, j'aime bien direct faire mon petit ménage du jour. Vous savez que je fais toujours mes zones. Hein. Donc le vendredi, c'est Friday, Shiny Friday. C'est donc dans ma zone, parce que je fais des zones par semaine, c'est la zone vitre. Donc la zone salon, donc il n'y a pas grand-chose, je vais juste faire les vitres du petit salon, ça va aller vite. Et après je vais faire les miroirs comme celui-là, vous voyez. Et du coup le vendredi j'aime bien quand même passer un grand coup de balai un peu de partout, un peu rangé. Comme ça c'est sympa pour le week-end. J'ai les fleurs à enlever, voilà, elles sont un peu fraîches. Et comme ça je vais pouvoir après tambouiller un petit peu. La journée passe vite, après je vais aller chercher mon loulou. Et tout à l'heure, il va m'aider à planter des petites graines, j'ai prévu, et à faire des petites choses quand même. Je vais le faire participer. Ça, c'était mes petites bougies de Beltane. J'ai encore des bougies comme ça, colorées. Les restes des bouquets, j'ai les roses aussi. J'ai l'aubépine que j'ai cueillie à Beltane à mettre en bocal. Voilà. Et j'ai pas mal de choses à faire, donc let's go. J'ai voulu faire une photo pour Instagram aussi avec mon grimoire. J'étais hyper contenue aujourd'hui. Et voilà.
Allez, c'est parti, musique à fond, Daisy Jones and the Six, et puis on y va. Pensée pour Pauline, Mythicée Fibrae. J'ai mis le pain hier, le pain en levain au micro-ondes. Figure-toi, ça a plutôt bien monté. Parce que c'est vrai que le pain en levain, il faut vraiment qu'il fasse chaud. D'ailleurs, je conseille de le faire en premier lieu en été. Si vous, voilà, c'est vraiment conseillé de commencer. Moi, mon levain chef, je l'avais démarré. Désolée, il y a mon chien qui boit. Mon levain chef, je l'avais démarré en août. Et il faisait hyper chaud, du coup ça a bien pris. Mais c'est vrai que là, le fait que je l'ai mis au micro-ondes sans torchon pour essayer, et c'est vraiment pas mal en fait, il est pas mal monté. Ce que je fais, moi c'est que je le fais en plusieurs fois, voilà, je le fais monter, voilà, je l'ai mis hier soir avec mon levain, avec la pâte, je l'ai mis toute la nuit jusqu'à là, il est 13h. Et là, je vais juste le mettre en forme et je vais encore le laisser monter jusqu'à ce soir, jusqu'en fin d'après-midi. Donc un petit moment, et voilà, en faisant bien les gestes, mais voilà, c'était pour faire un petit coucou à Pauline et son petit pain en levain. Et d'ailleurs, bien un levain, c'est vrai que c'est une belle source de recettes de levain. Allez, c'est parti, je fais ça, et puis je vais vous montrer mon petit plateau de pleine lune, comme ça je vais attaquer les petites activités, c'est parti. Je te montre comme Pauline comment je fais moi. Là il est pas très très bien. Il est pas hyper gonflé le pain, mais il est pas mal. Je fais comme ça, tu vois. Et ça aide vachement à. Je mets de la farine et je fais comme ça. Tu vois, ça fait une boule. Et hop. Et il faut vraiment. J'avais entendu aussi pour que le pain soit bien, il faut que hop, ça remonte direct. Mais ça remonte pas trop vite non plus, ni trop lentement. Donc là, c'est pas trop mal. Et aussi un truc à faire qu'on peut faire, c'est voilà, sur les côtés comme ça, vraiment étirer. Je remets de la farine. Après, je suis pas la pro du levain non plus, hein. Mais voilà, je te dis mes petits tips. Voilà, j'en mets de partout. Vivement qu'on refasse cette cuisine quand même. Hein. C'est vraiment, c'est un petit peu à l'arrache hein, toujours. On a toujours pas commencé les travaux. Donc bon, vous m'excuserez ces bric-à-brac. Voilà, on peut les tirer, puis après refaire la boule. Après, moi, je vais laisser couvrir sous le torchon au moins à 2-3 heures. Hein. Après, je referai ça, mais je ne le fais pas toujours, ça. J'ai envie de faire un beau pain. Et après, je ferai la grille, et puis voilà. Je vous montrerai ma cuisson, si vous voulez. Allez, à tout. Alors, voilà mes petites activités de ce jour. Donc, ça fait plusieurs jours que je cueille les coquelicots. On dirait pas, mais ça fait, je pense, 6 jours que je cueille tous les jours les coquelicots dans le jardin. Je pense que j'en dois récolter une trentaine de coquelicots que je laisse sécher donc jour après jour. Ça, c'est la récolte d'aujourd'hui, vous voyez. Et ça, c'est complètement sec, ça y est. Donc, c'est juste, je récolte juste les pétales, pas le cœur noir, même s'il y en a un petit peu des petites graines. C'est pour faire un sirop de coquelicots. Pour la première fois, je vais faire un sirop de coquelicots anti tout sèche. C'est une recette que je vais faire depuis très longtemps de Christophe Bernard. Je vous mettrai sa vidéo en lien si vous souhaitez faire ça. Il faut vraiment, le problème c'est qu'il faut beaucoup de patience pour récolter les pétales. Soit on récolte tout d'un coup, mais ce qui est quand même rare de trouver un champ de coquelicots avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de coquelicots. Ou soit on fait comme moi, jour après jour on récolte. Ce qui fait que voilà, il y a beaucoup d'énergie de la saison, il y a les énergies de Beltane, il y a les énergies de la pleine lune. Et aujourd'hui, je vais me décider à transformer ça. Il faut 60 grammes dans la recette de Christophe Bernard pour faire... je sais plus, il faut que je regarde. J'ai pas encore regardé les proportions. Mais là, franchement, je dois avoir 40 grammes max. Je vais peser ça. On va bien voir. En cas, je continuerai. Je vais voir. Je vais peser. Et après, hier, je suis allée en cueillette, en forêt. Je me suis régalée. En fait, c'était pas du tout prévu que je cueille.
Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de surprises ici, surtout dans cette forêt incroyable près de chez nous, là, il y avait des sureaux juste magnifiques. Je vous avais fait des photos hier sur Instagram. Et ça m'a fait énormément de bien de voir autant de sureaux. Le sureau, c'est un arbre vraiment magique hein, qui est associé aux fées, directement associé aux fées. Et je vais réaliser un. Donc, je vais en garder un petit peu pour sécher, puisque le sureau, moi, je m'en sers pour les yeux, en fait, lorsqu'on a des petits yeux irrités, notamment mon fils qui a les yeux souvent sensibles, il a les yeux bleus. On fait une petite compresse, un petit coton avec une infusion de sureau. Voilà. Donc, pour les yeux. Et là, je vais faire avec ça, je vais faire un petit champagne. D'ailleurs, je vous ai demandé hier sur Instagram ce que j'allais faire avec ça. Et vous avez deviné, pas tous, mais une qui m'a dit le champagne et des fées. Et c'est exactement ça, le champagne de sureau. En fait, le sureau permet je sais pas le terme technique, mais une libération des gaz, je sais pas. Donc, on va le faire macérer avec du citron et du sucre pendant 2, 3 à 5 jours. Et ça va faire du champagne pétillant, sans alcool. Je suis tombée sur des camélias en pleine nature. J'en ai ramassé un, mais juste incroyable. Et je suis tombée sur les acacias. Et ça, c'est une recette nouvelle que je vais tester. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est la première fois que je récolte de l'acacia. C'est juste un délice, un délice. Et je vais tenter de faire des petits beignets d'acacia. J'en ai jamais fait et voilà, c'est une recette que m'a donnée ma belle-mère. Il y en a qui prennent que les fleurs pour faire ça. Moi, je vais prendre directement les tiges que je vais tremper dans la pâte à beignets. Et ça se mange comme ça. Puis après, lorsqu'on déguste le beignet, en fait, la tige, on enlève la tige comme ça, on mange juste les fleurs. Ça me paraît super marrant. Donc voilà mes petites tambouilles du jour. Je vais planter aussi, je te fais coucou Louise, tu m'avais offert ces petites graines et j'ai pas eu l'occasion de les planter. Donc je vais les mettre, c'est un petit peu tard mais c'est pas grave. Je vais les mettre en terre, on a planté la haie, donc je vais essayer de les mettre dedans. Les pieds d'alouette, les delphiniums, c'est tellement beau. Il faut vraiment que je les plante parce que c'est 2021, donc écoute, on verra si ça prend tout ça. Et ça, je connais pas du tout les jusquiames noirs. Donc écoute, je vais tenter ça. Je vais en mettre pas mal. Je te remercie d'ailleurs. La pleine lune, c'est vraiment un moment pour planter, hein, si vous avez l'occasion. Alors, on sème. D'habitude, je sème plus, moi, la nouvelle lune. Mais la pleine lune, c'est tellement. Il y a des énergies tellement fortes. Donc, surtout pour la récolte. On récolte les fruits du cycle. Et puis, on peut. Moi, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de semer. Donc, comme quoi, des fois, il faut vraiment s'écouter. Hein. Et voilà. Allez, c'est parti, je vais préparer ma pâte à beignets et faire mon petit champagne. Je vais vous faire une confidence, c'est la première fois que je fais des beignets de ma vie. Je n'avais jamais fait. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, quand ma mère faisait des beignets de temps en temps en été d'aubergine. C'est un souvenir qui m'est resté. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai pas fait avant, sincèrement. Mais en plus, je n'ai jamais mangé des beignets d'acacia. Donc, on est dans une. Tout est nouveau quoi. Faire des beignets et les acacias, les manger et les faire. C'est hyper relaxant. C'est super. J'adore. Je pense que ça va être super bon. Quelle bonne idée. Qui un jour s'est dit, bon bah, je vais prendre des fleurs de cet arbre et je vais les mettre dans un beignet. Mais pourquoi pas? Mais écoute, c'est une bonne idée, Coco. Hein. Franchement, très bonne idée. Allez, je continue ça, puis après je vais faire mon champagne de sureau. Bon, allez, j'en teste un en live. On prend. Oh, c'est trop bon. Oh mon Dieu, je pensais pas que c'était aussi bon. Oh, c'est une tuerie. Une tuerie? Oh là là, je vais en refaire de ça, je vous le dis. Mon petit loulou, il va adorer.
Coucou, on se retrouve, on est après l'école, en fin d'après-midi. Et je me pose un peu avec vous, je voulais vous montrer un petit peu les emplettes que j'ai trouvées la dernière fois quand j'ai échiné à Nice, les petits trésors. Et puis j'ai Julia qui m'a dit pour la pochette de la roue, mais n'importe quoi, j'y ai même pas pensé de faire endroit contre endroit en fait, tout simplement, au lieu de faire un appliqué. Non, mais quand je vous dis que j'ai du boulot, c'est vraiment la couture, c'est une logique que je n'ai pas encore. Donc bon voilà. Alors je vais vous montrer mes petites emplettes. Alors j'ai trouvé ce tissu. En fait, c'est pas un quilt. C'est un tissu imprimé. Pré-imprimé qui fait très quilting. Si vous voyez. Il est pas mal, hein? J'aime bien sauf le tissu du fond qui est un peu trop vert en fait. C'est un jaune qui tire vers le vert. L'envers est pas beau du tout, c'est une espèce de plastique. Je me dis, je l'ai pris parce que du coup, bah déjà, bon, 1 euro, ça c'est sûr. Mais je me suis dit que voilà, pour faire des petites pochettes, ça peut être vraiment chouette. Des petits accessoires, même le bord est très joli. Donc, ouais, je pense pas que ce soit une couverture faite main. Pardon, c'est le chien. Donc, en tout cas, je suis très contente, j'aime beaucoup la couleur. À fond, le chien. Hop. Ensuite, j'ai trouvé un petit drap comme ça, un grand drap à fleurs, violet et vert, trop joli. Ça, c'est une valeur sûre. Pareil, si je veux faire des petits accessoires et tout, ça, je suis trop contente. J'ai trouvé ce drap aussi. Ouh, j'étais trop ravie. Un Vichy pour l'automne. Et donc, l'endroit est comme ça. Et l'envers est comme ça, un petit Vichy à petits carreaux. Et ça, pour l'automne, je vais voir une robe ou une jupe ou des accessoires. Enfin, j'étais ravie de trouver ça. J'ai trouvé donc le tissu avec lequel j'ai fait mon grimoire, qui est trop beau. Ça, j'adore. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça tout ça le même jour. C'est incroyable. Des petites housses de super jolies, hein, de thé d'oreiller. Magnifique, avec des froufrous sur les côtés. Donc ça, pareil, je pense m'en faire peut-être une pochette. C'est trop beau, hein. Magnifique. Peut-être une pochette directement avec, vous savez, comme ça là. Je pense que ça peut être chouette. Donc j'adore, hein. Trop trop beau. J'en ai eu deux. Deux comme ça. Pareil, 1 euro, hein. Et ça, c'est ce drap. Ma mère m'a donné ce drap qui est trop beau aussi. Je le trouve très joli, blanc, fleuri, un petit peu comme ça. Très sympa, ça, si je veux faire une robe. Je commence à avoir un stock de tissus d'ailleurs, franchement, c'est le bazar. J'ai regardé un petit peu les systèmes de rangement de tissus. Donc, soit à terme, quand je ferai mon atelier définitif, soit je les fermerai dans un meuble, soit je les rangerai, mais peut-être je ferai ça cet été déjà, les ranger avec une planche de carton bien propre, parce que ça rend fou. Je vous montre pas le bazar que c'est. Celui-là, j'ai trouvé aussi, je le trouve trop beau. Bon, on est fleurs à fond, hein. Bleu lavande et jaune. Voilà, moi j'ai acheté là pour l'instant sans projet. Normalement, c'est vrai que c'est mieux d'acheter avec un projet en tête. Mais comme j'ai pas un stock énorme pour l'instant, je préfère en plus m'entraîner sur ce type de tissu pas cher du tout. Donc voilà, ça c'était mes petits achats. Et je me suis fait une petite commande, j'ai craqué. Je voulais attendre encore de faire des progrès en couture, mais j'aime tellement ce qu'elle fait, c'est Rosaline et Suzanne. Je me suis fait une petite commande sur son herbier textile. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir ses vlogs qui sont juste super sympas. Elle fait des vlogs tous les mois. Ils sont hyper relaxants, moi j'aime beaucoup. Et j'ai fait cette commande parce que j'ai vu qu'elle avait sorti en boutique ce petit tissu. Et j'ai eu un coup de cœur. Moi, en ce moment, donc, je suis à fond sur le bleu. Et c'est un donc 45 par 50, c'est le Colombe Study. Ouais, Study Dye Herb, mais je suis pas sûre. Il est magnifique. Et ça, je me le réserve de côté pour aller avec d'autres tissus pour faire du patchwork. Je me lancerai dans le patchwork, je pense peut-être à l'automne, on verra. Ah, je rêve, j'en rêve. Celui-là. Toujours en 40 par 50, c'est le Poppy Forêt. Magnifique. Hop, j'ai pris ça aussi. Trop beau. Le Nancy Anne. Liberty.
hyper campagne. J'adore. Ça va pas forcément bien ensemble, quoique ça se rejoint beaucoup les trois finalement. Et j'ai pris ça parce que c'était en promotion sur sa boutique et je trouve que c'est des bons basiques, des petits rouleaux. Je sais plus combien j'ai pris, bah, super bien présenté à chaque fois hein, chez Laurine. Un petit rouleau comme ça, gris clair et gris foncé. Ça j'adore, c'est toujours des basiques. Donc je suis ravie, ravie de ma petite commande. Et ce mois-ci aussi j'ai commandé, parce que j'ai voulu le chercher après. Bon, je vous montrerai au podcast, mais j'ai fait des chaussettes pour le test de chaussettes pour Renard endormi. C'était des chaussettes quilletées. J'y suis arrivée, mais elles sont trop grandes, donc ce sera pour mon chéri encore. Et j'ai commandé donc ces bloqueurs à chaussettes pour ma taille. Je les ai reçus quand j'ai fini la chaussette. Ça m'aurait été précieux en fait de les avoir avant, mais c'est pas grave. Du coup, j'apprends de mon erreur. Et c'est la marque Sunnyside Handmade, pardon. C'est une marque française, donc j'étais très contente de trouver une marque française. C'est l'une d'entre vous qui, Alicia, je te remercie, qui m'a conseillé, qui m'a dit qu'il existait donc cette charmante jeune femme qui faisait ça en France. Et j'étais ravie, c'est super mignon. Et en plus, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais du coup, il y en a deux. Donc c'est super, ça fait la paire. Donc j'ai hâte, là, je vais castonner. Du coup, là, je vais vous montrer, je suis en train de faire un. Je finis ma couverture granny. J'ai plein de choses à vous dire. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Parce que je suis le challenge lancé par Stéphanie, la fanette au petit pois, et Ludivine de Rose et Balles de Laine. Elles ont lancé un petit mouvement pour le mois de mai. C'est en mai, on s'y met. Et moi, j'avais tellement envie de finir ma couverture granny, ma couverture Pierre Lapin, que je traîne depuis le janvier 2021, je crois. Donc, c'est cette couverture-là. J'en suis presque à la fin. Ça y est, je suis en train de faire les bordures. Je vous l'ai montré plusieurs fois, celle-là, vous la connaissez, hein. Voilà, donc j'ai fini mes carrés, ça y est, j'ai assez de carrés. Elle est très grande, hein, quand même. Bon, elle n'est pas si grande que ça, mais je ne l'ai pas mesurée. J'ai fait ça au feeling. Et je suis en train de faire toute la bordure. Petit loulou qui est à côté. Toute la bordure comme ça. Attendez, je vais couper, puis je reviens. Voilà, donc je suis en train de vous montrer ma couverture. Je suis en train de faire la bordure. Donc je la veux quand même assez épaisse, donc c'est assez long. Hein. Je fais des mailles serrées. Là je suis en train de faire une maille serrée, une maille en l'air. Et après je vais faire les picots. Je m'aide toujours de ce livre, hein, c'est le patron que j'ai pas à modifier de tricot et crochet esprit romantique. Et d'ailleurs je vous conseille si vous voulez faire des couvertures granny, dans ce livre il y a déjà deux couvertures granny, celle-là. Et la simple qui est très très bien où on part du milieu. La classique, elle y est dedans, voilà. Voilà, il y a le diagramme et voilà. Il est vraiment bien ce livre. Maintenant que je fais du tricot un peu plus, je vais peut-être regarder. Il y a des cabas granny. Il est chouette. Il est vraiment sympa. Donc voilà, en mai, on s'y met. J'aimerais bien finir ce week-end. Bon, je ne suis pas sûre que j'y arriverai. Mais du coup, je fais que ça depuis le début de la semaine. J'ai fait ma couverture, ça me démange comme je vous disais de castonner un tricot, mais donc je vais plus faire de gilet là pour l'été. Je vais par contre, je vais suivre aussi Ludivine qui va castonner une chaussette demain pour le couronnement de Charles. Et je vais peut-être faire pareil qu'elle, on verra. Je trouve ça rigolo. Je vais partir par contre, je vais faire des chaussettes à la vanille et je vais partir du bas vers le haut. Par contre, je viens de me dire que j'ai pas reçu mes chaussettes. Ah oui, elles sont arrivées, je me suis fait une petite commande de laine à chaussettes. Je me suis fait plaisir hein, le mois dernier, là, c'était cool. Une petite commande de laine à chaussettes sur Rascol. Je sais plus comment elle s'appelle la marque, mais je vous montrerai ça. Donc, très envie de faire vraiment des chaussettes maintenant. Maintenant que je sais un peu mieux comment m'y prendre, etc. Donc voilà, en mai, on s'y met. Si vous voulez participer au mouvement, n'hésitez pas. Vous mettez le hashtag et puis c'est cool. Et sinon, vous voyez, aujourd'hui, j'ai même pas fait de point de croix. J'ai pas eu le temps, du coup j'ai cuisiné et tout, et c'était super. Et j'ai rien fait en fait, j'ai juste fait la couture ce matin, ce qui est déjà super. Je voulais vous montrer ça aussi dans mes trésors. Ça, c'est ma mère qui m'a retrouvé ça, c'était à mon arrière-grand-mère. C'est un cahier de couture. Regardez-moi ça. C'était des cours de couture en fait, elle faisait ça. Donc, où il y a des empiècements. Avec des noms.
reprise sur trou, c'est des reprises sur biais. Regardez comme c'est joli. Franchement, si on pouvait reprendre des cours de cuisine, de couture, même de bricolage, des choses qui servent dans la vie, à l'école, franchement, moi, je suis pour, hein, je vous le dis. Hein. Trop beau. Et ça, elle m'a dit, voilà, je te le donne parce que maintenant, tu fais ça. Et c'est trop, trop, trop beau. Les biais rentrés, regardez avec la dentelle et tout. Joli, hein. Trop contente d'avoir ce petit cahier. Et aussi, elle m'a retrouvé ça, c'était un des transferts, en fait. Un cahier de transfert hyper... Oh, c'est joli. Faire des broderies. J'avais même pas vu le dos encore. Et voilà, c'est, en fait, c'est un cahier de transfert pour broderie, ou pour couture. Il y a plein de feuilles à décalquer. Hyper vintage, quoi. Des fleurs, des... Et super, je trouve. Des fruits, les lettres. C'est sûr, si je veux faire de la broderie avec ça, des petits paysages et tout. Voilà, c'était le moment kitsch. Moi, j'aime bien ça. Écoutez, on va aller un petit peu dehors avec mon loulou. On va peut-être planter les graines. Et ce soir, on va se faire une soirée tranquille. Je vais faire des croque-monsieur. Ça fait longtemps, j'ai envie. Et voilà ce que je voulais vous dire. Allez, je vous dis à plus. Cette année, à défaut de potager, on a quand même fait quelques pots. Donc des petits fraisiers, coriandre, menthe, aneth. De quoi s'amuser un petit peu. Du thym, de la menthe. Il y a des coquelicots que j'ai cueillis ce matin qui ont déjà repoussé. C'est abusé. Je vais vous montrer, on a tout remodelé le terrain. On est en train de... en gros travaux, hein, de jardin. On a fait toute la haie, je vais vous montrer. Vous vous souvenez peut-être des anciens cabanons. Donc du coup, on a tout cassé parce que c'était tout dans un état... on ne pouvait même pas garder ce qui restait. Donc ici, ce sera pas notre potager finalement, ce sera l'espace où on va manger. Et on a fait ce petit mur, enfin ce grand mur. C'était déjà beaucoup de boulot, donc on est en train de planter. Et voilà, beaucoup de chantiers. Donc ce week-end, on va un petit peu planter peut-être ici. Et je vais mettre quelques graines là. Quelques graines de Louise ici en bordure. Histoire de s'amuser un petit peu. Allez. Je suis hyper heureuse, il y a l'épisode avec Nadège au Jardin des Spiris qui est sorti. Ça a été une expérience formidable que j'ai eue avec Nadège. Donc elle m'a gentiment invitée au jardin. Donc c'est un podcast audio, je vous mettrai le lien sous cette vidéo où je me suis vachement dévoilée, je trouve. Et elle a eu surtout des mots envers moi très très touchants. Ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Donc Nadège, si tu passes par là, je te remercie. Et voilà, donc c'est une journée de pleine lune très très intense aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de choses. On a un fin d'après-midi, il fait extrêmement chaud. Oh, il fait super chaud. Et je vais aller planter des petites graines. Et puis mon loulou, il va arroser, il adore arroser. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous ferai des petits plans ce soir, des paysages de la lune, j'espère. Peut-être que je me mettrai un petit peu aux lumières de la lune ce soir, un petit bain de lune. Je vous dis aujourd'hui, enfin cette pleine lune et ce Beltane, ça a marqué le... J'étais vraiment endormie de l'hiver et là ça m'a réveillée, j'ai envie de faire plein de choses. Donc je suis ravie de ça. Je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se dit à très vite, je referai un autre vlog je pense. Et aussi un podcast aussi. À bientôt.